Messieurs, dames, nous nous retrouvons aujourd'hui au circuit du pôle mécanique d'Alès. Vous le savez, j'ai l'habitude de rouler ici. Mais aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale puisque nous sommes au Supersport Pro Tour de chez Yamaha avec H2S qui organise. Merci Yamaha France pour l'invitation, bien évidemment. Et on est avec, vous l'avez vu, Spirit Motor. Là, c'est Victor qui vient de partir avec son R1 full prépa GYTR, la ligne complète, Acra, tout ce qui va bien. On a aussi la carrosserie DTM avec Brian et son papa qui roule. Je vais vous montrer tout ça. Pour ma part, la R6 est juste ici. J'ai fait ma première session, ça s'est très bien passé. Bon, j'étais en rodage de pneus, donc j'ai pas vraiment filmé, ça sert pas à grand chose parce que je me traîne la bite comme d'habitude. Et là, du coup, on va aller voir parce que c'est les pilotes qui roulent. Moi, je roule en intermédiaire. On va voir, je suis pas là pour améliorer du chrono parce que c'est vraiment une journée plaisir, c'est la dernière pour moi de la saison. Donc voilà, c'est cool. Bon les gars, là on a fait, donc en fait il y avait deux sessions ce matin, donc la première où j'ai rodé les pneus, la deuxième où c'était un peu mieux. Bon ça s'est bien passé mais sans plus, en vrai j'étais pas très très à l'aise. Petite particularité ici, je vais faire deux sessions d'affilée, donc celle en pilote, alors je n'ai pas le niveau. Mais je vais suivre. Brian! Brian is not in the kitchen, Brian is in the box numéro 9. Donc Brian qui roule en 300, en R3. Et ça soude, hein, parce qu'il roule quand même en quoi? Une 27 régulier. Donc lui, il roule en pilote. Moi, je vais le suivre avec la R6. Et juste après, je repars, mais avec une R3 montée GYTR, prêtée par Yamaha France aujourd'hui, pour le Supersport Pro Tour. C'est aussi la particularité de ce genre de journée, c'est que tu peux tester toute la gamme Yamaha. Regardez-le là, c'est un vrai pilote Yamaha. Avec la gourde Yamaha et tout, ah, ça c'est beau ça, ça c'est beau ça. Et regardez d'ailleurs, sur son carénage, bon déjà il a un carénage licorne. Et si jamais vous avez un petit peu trop de sous ou de l'équipement, bam, contactez-le là, vous avez son Instagram. Et il recherche des sponsors pour rouler en Promosport 300. Promosport 300. Donc si vous êtes d'une marque et que vous avez un peu trop de sous, khalas, lâchez de la thune quoi, lâchez de la thune.
chose importante aujourd'hui aussi, je teste pour la première fois les béquilles de stand ProWorks de mon nouveau partenaire XL Moto. Donc ça c'est l'avant et là vous avez l'arrière. Alors l'avantage c'est que c'est un petit kit de béquilles de stand, donc ils vendent les deux en même temps. Vous pouvez aussi acheter l'une ou l'autre séparément si vous avez besoin de qu'une des deux. Alors en vrai elles sont pas mal, l'arrière je suis très content, l'avant un peu moins pour être 100% honnête parce qu'en fait ça le lève pas assez et du coup je sais pas si vous allez voir mais j'ai la couverture chauffante qui touche par terre au niveau du tapis et ça c'est pas ouf. Mais sinon dans l'ensemble j'en suis plutôt content, ça marche bien, c'est très léger, ça je suis impressionné. J'avais fait un déballage sur Insta et franchement je suis assez bluffé par la qualité. Juste je pense qu'il faudrait relever de quelques centimètres l'avant et ça serait parfait. Je vous laisse de toute façon tous les petits liens en description, tout ça tu connais. Pour ceux qui demandaient aussi, l'Acra est totalement réparé, ne vous en faites pas, il est beau, tout neuf comme un sou. Et puis voilà, on va aller souder un peu de la poignée, ça fait plaisir. Petit débriefing avec la R3, c'était incroyable. Brian m'a beaucoup attendu. Voilà, moi j'ai l'impression de le rattraper parfois, mais pas du tout. Hein, vraiment, en fait, il m'attendait, quoi, voilà. Mais en vrai, j'ai pris quasiment plus de plaisir qu'avec ma R6 parce qu'en fait, tu dois te soucier de rien. Juste, tu roules. La puissance, bon, il faut être vraiment sur le bon rapport, sinon, tu rates complètement ton virage et ta courbe. Mais par contre, c'est hyper drôle parce que tu te focuses que sur tes trajectoires, tes repères de freinage, ta position, etc., etc. Et donc, du coup, pour apprendre, c'est vraiment le top. Après, du coup, j'ai repris la R6 et honnêtement, aujourd'hui, je suis pas du tout dans mes chronos habituels, hein. Je tourne en 1.32 régulier, donc d'habitude c'est plus 1.30 et j'arrive à faire quelques chronos en 1.29, parfois 1.28. Je pense que j'ai encore peut-être un peu d'appréhension avec la chute de la dernière fois, mais en vrai le plaisir est là, ça marche bien, je suis à l'aise, j'essaie de travailler un peu plus ma position, mes trajectoires, et ça va. Et il faut aussi que je vous présente la R1 de Victor juste après, bon là elle est occupée, mais bref, après je vous la présente parce que vraiment ça vaut le coup. Bonsoir tout le monde. Quand j'ai pas bu, je sais pas faire, mais... Ah, on va te donner un verre alors. Oui. Ah, tu filmes déjà là? Bah oui. Ah nickel. C'est bien. Dis donc. Bon, du coup, on se retrouve quelques jours après, presque une semaine après le roulage. La R1 est toujours là. Elle a survécu. C'est pas mal, hein, c'est après la bien. Petite... frayeur que tu n'as pas revu encore, faut pas le dire ça. Et non, Victor, on ne va pas le dire. Mais par contre, on va quand même le montrer. «
quoi de mieux que d'être à la concession, donc chez Spirit Motor Yamaha Aix-en-Provence, pour la présenter, parce que c'est la moto officielle du magasin, quoi. Enfin, c'est surtout sa moto. Est-ce que tu peux nous présenter ta moto, qui est une moto assez particulière, parce qu'on part quand même d'une R1 2020 stock, et on a doublé le prix de cette moto. On donnera le prix total en fin de vidéo. On est au double, hein. On est au double de la moto. Et il y a une raison pour ça, c'est que tu as mis quand même des pièces que même Yamaha France n'a pas pensé à mettre ensemble sur cette moto. Alors, on est parti du Poly GY-TR qu'on a fait peindre, les petits leviers Gil Tooling réglables, les durites aviation qui sont derrière pour supprimer l'ABS passé en direct, un T de fourche complètement ajouré pour gagner quelques grammes et où on supprime la partie Neyman. Côté gauche, on va retrouver le Komodo Endurance, où dessus on récupère tous les réglages dits d'électronique. Le petit bouton qui est à côté, c'est le contacteur on-off, puisqu'il vu qu'il n'y a plus de Neyman, il nous fallait des clés. Toujours sur l'avant, on a la belle fourche Ohlins. Sur le réservoir, on est passé sur un petit réservoir avec un bouchon compétition, comme ça il n'y a plus de clés non plus, on y gagne aussi du poids. Les commandes recul et Gil Tooling, entièrement réglables, avant-arrière, avec lesquelles pierre rétractable. Tant qu'on en est là, la ligne Acra, full titane, qui est quand même l'une des plus jolies pièces qu'on a sur la moto. Et à l'arrière, bien évidemment, l'amortisseur Ohlins pour aller compléter la fourche qu'on a devant et être dans les clous partout. Prix total ? 40 000 euros pour les gens qu'on aime bien. On aime beaucoup.